pour son entrée en géant, histoire d'aller chercher un nouveau podium 2 ans après celui conquis à Garmisch-Partenkirchen. C'est ça, elle a vraiment tout pour faire. Elle a vraiment le ski, la technique, la puissance, la fluidité pour réussir sur une piste comme ça. Alors à l'attaque, c'est à la fois propre et incisif, pas trop haute sur la porte, pas trop basse, juste ce qu'il faut. Regardez Tessa Wurlai qui pour l'instant est bien rythmée. Le ski qui ne dérape pas, ça c'est plutôt un bon indicateur pour l'instant. Dans cette pente vertigineuse et glacée, la Française réalise le meilleur temps de la première manche, avec le dossard 1. C'est un signal fort annoncé à la concurrence. C'est aussi une situation délicate à gérer. Désormais, Tessa Wurlai se doit assumer le statut de numéro 1. Alors, derrière les sourires de façade, tout le monde sait bien que le départ de la deuxième manche s'annonce difficile. J'étais stressée au moins une minute avant le départ, et puis quand c'était la minute avant le départ, je me suis vraiment mis dans ma bulle et j'ai soufflé un bon coup et j'ai essayé de me dire qu'il fallait que je fasse ce que je sais faire et c'est tout quoi, pas plus, pas moins, et voilà. On espère avoir le cœur en fait à l'arrivée, non pas le cœur qui pleure, Tessa Wurlai, avec un peu plus d'une minute pour s'offrir un grand bonheur. Allez, on n'a aucun doute, on a vraiment confiance en ses qualités. Elle est techniquement, elle est posée dans la tête, elle est bien, elle est fraîche, elle a envie de bien faire. Alors je ne dis pas qu'on est stressé, nous. Elle est partie avec une seconde, 9 secondes d'avance par rapport à Tina Maze, ne pas calculer, c'est lancé. Tessa Wurlai qui a repris du temps, il faut avoir de l'avance, ne pas craquer. Tessa Wurlai, c'est une piste pour elle, c'est Steinming, c'est la Hanaï, c'est un mythe. Et regardez la Française qui est en train de dévaler, Tessa Wurlai qui est en tête. Allez. Le deuxième intermédiaire, elle a encore pris l'avance, 1/10 de mieux. Tessa Wurlai qui est en bas, elle qui s'entraînait, qui passait sa jeunesse entre la France et l'Australie. Elle est en train de mettre les skieuses la tête en bas et les skis en l'air. Tessa Wurlai peut-être pour aller chercher un titre. On a toujours 20 ans, Tessa Wurlai, 23 ans pour s'offrir le premier titre dans sa carrière.